s'attendait à quelque chose de très sinueux, très technique, et finalement il y a pas mal de courbes assez rapides. Donc c'est un bon mix et je veux dire une bonne base de test pour essayer différentes choses avec la voiture. Ouais, l'objectif c'est surtout de prendre nos marques avec la voiture, essayer différentes choses pour se préparer pour Monza et la finale en Belgique. Donc c'est oui, vraiment essayer les différentes possibilités et se mettre à l'aise au volant de la nouvelle Ivaten. J'ai hâte d'y être, franchement. Les conditions sont, je pense, assez bien pour l'Alpine parce que c'est sec, donc ça sera déjà pas mal. Après, c'est des routes un peu rapides et tout, donc ça devrait être aussi pas mal. Mais il y a du brouillard, donc ça doit être une bonne soirée quand même. J'ai vraiment hâte d'y être. Le plateau qu'il y avait au départ, c'est une place qui est quand même plutôt inespérée et ben, voilà, on est bien content, la voiture a bien marché, on n'a pas été piégé hier soir, donc voilà. Maintenant ben, il reste plus dur à faire, c'est d'essayer de garder cette cinquième place au scratch, parce que voilà, on est vraiment pas dans une grosse fourchette de temps avec ceux qui sont derrière, donc voilà, on va arriver à les contenir. Thank you.
Enlever la dernière spéciale parce qu'elle est extraordinaire. En termes de pilotage, c'est digne d'une spéciale de championnat de France et l'organisatrice est digne d'un organisateur de championnat de France. C'est bien. Impeccable, magnifique. Merci beaucoup pour l'accueil, c'est un super avis, on s'est bien.
faire un triomphe à ces magnifiques podiums.